Mon temps vaut clairement plus que ça. Si les gens veulent même pas venir à Minimum Stuff, alors, je voulais faire un truc. Je voulais faire. Je sais plus. Quête de faction. Ouais, sans avance. Ah, et je voulais aller voir les quêtes tempestes. Et je voulais voir s'il y a des tempestes en mutin. Il y en a un en. Oh putain, fuck. On va aller là-bas, voir s'il y a de belles choses. Donc, là j'aimerais bien voir l'autre raid 10, moi. Il m'intrigue. Ah, j'ai touché aussi le foyer d'altération, j'avais pas vu. Je savais pas que j'en avais deux. Bon, faut vraiment que j'aille clean. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il y en a? 55, non. 35, oui, let's go. Donc ouais, à l'Unity, pour faire simple, tu as 5 vagues de mobs. Des mobs basiques jusqu'à donc deux boss à la fin. Vague 4 et vague 5, c'est donc des boss. Le boss 4, il a donc il tape assez fort avec des chiens qu'il faut focus si on y passe en mode bélite. Et le 5, c'est un vrai boss pour le coup avec pas mal de patterns. Voilà, c'est globalement un tank, deux heals et le reste en DPS, donc 7 DPS. C'est pas très dur, c'est 10 minutes, hein, c'est un petit event. Et voilà, et ça le file du stuff en fait anti-humain qui est pas mal pour le coup. Du bon gros stuff anti-humain qui sera bien pratique pour la forge. Le stuff qui s'appelle de Bandit Corse. Mais il n'y a pas du tout de truc d'altération là. Ok. Très bien. Bon. Très bien pour la forge, ouais. Ouais. C'est un stuff léger en forme pour le coup, mais ouais. Bon bah rip. Où est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais me faire là des. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Ça m'intrigue un peu là. Quelqu'un sait ce que c'est cette icône? Ce serait pas ça qui est pris par hasard? Faudrait que j'aille voir là. Je me dépêche. On va aller voir vite fait si c'est encore là. Yes. Et donc t'as le raid et le vrai raid à 20 pour le coup est vraiment costaud et demande. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Non, non, qui est pris, c'est à côté de la police. Tu sais ce que c'est alors ce truc là? Ça m'intrigue. Ça doit être un bug de la map. Mais c'est le symbole genre de Kipri? Ou pas du tout? Oui, parce qu'il n'y a rien du tout là-dessus. C'est une icône au-dessus du camp pour la map. Pas tout compris, mais d'accord. Bon, globalement, il n'y a que là, quoi. Bon appétit, Unity, à toutes. C'est le symbole d'invasion. Ah! Ok. The fuck. Très bien. Mon campement pour voir. Et là, que là, là. Oh, c'est pas grave. Alors, attends. Donc, qu'est-ce que je peux monter de beau? Faction 6 sur 12. Ça progresse tranquillement. Encore une déferlante. Et j'aurais fini ma grande déferlante. Faut l'altération majeure, faut-il en trouver? Qui est pris dans le solarium. Défi saisonnier, on va voir. À 25 joueurs dans le monde ouvert. Loul. Orbe de gyps, ok, ça pourrait le faire aujourd'hui. L'épreuve dans l'incubateur, c'est bugged. Je crois pas qu'il ait des bugs. Recello, j'en ai jamais vu. Déferlante 2 sur 10, lol.
Non mais là faut vraiment que je vais être ce putain de chapitre 4, hein. Mais bon, ça c'est bug. Ça j'ai pas le niveau. Ça c'est long. Ça ça m'emmerde. Compliqué. Bon, ça on va plutôt voir. Est-ce qu'il y a des mutas qui se lancent? Plus 9, 122, je peux que en tank. J'ai pas de stuff spécialement terrain, hein. J'ai un bon stuff anti-altéré. Ok. Bon. Parce que là en anti-altéré, ouais j'ai 3 pièces quand même, c'est pas si mal. Ça devrait le faire. Ouais, donc t'as vu tout à l'heure le truc des nouveaux trophées, Izzy? J'ai White Song qui m'a expliqué tout à l'heure. Je me sentais un peu con, mais en fait, c'est bon, c'est vraiment pour les hard farmers, mais c'est stylé. Hein. Par contre, faut farmer hard côté popo. Hein. Alors, chiant, oui et non. C'est un mal, enfin, c'est un mal. C'est un farm, mais pour un truc quand même très bien. Quand même bien pratique, quoi. C'est du farm, quoi. Après, bon, faut. New World, c'est un jeu de farm, hein, donc faut pas. C'est pas en mode Surprise Pikachu, quoi. Mais c'est quoi ces symboles aussi, là? Je connais pas. Je n'ai jamais vu d'étoiles, là. De... Très chelou. Niveau 45. Est-ce que je le tombe, ça, en solo? Je suis pas sûr. Je pense que oui, mais bon. 45. Peut-être qu'il y a une guerre qui arrive, mais ça n'a pas de sens ici. 55, je le ferai pas en solo le monolithe. Oula. Tout à fait. Ah oui, non, mais c'est du hard farm, hein, c'est pour ça, on est d'accord, c'est du... Alors, le, tout ça, c'est... Non, c'est ça, mes 4 factions, c'est les bleus. C'est ça, mes 4 factions. Tout à fait. Tout à fait, Izzy. Ah, très bien. Vas-y, go. Je vais me TP là-bas. Rage d'altération majeure, let's go. Alors... C'est parti. Peut-être qu'il y a terminé là. Non, let's go. Go, 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 go. Faut que je ferme de l'altération majeure. Allez, cours mon pote, cours. Putain, majeur, abattage. Ah si, il y a des T5 maintenant de... Il n'y a pas des T5 de combat, mais il y a des T5 de... Oh mon dieu, il y a des T5 de farm et tout, quoi. Oh là là, ça m'a coûté tellement cher à farm. Salut Bouki! Ouais, parce que... Ok, ok, il est bon. Il est là. Let's go! Alors. Ok, c'est parti.
Ça va me valider en plus logiquement là deux quêtes, donc c'est pas mal. Deux quêtes de faction. Allez Sky. Pas giga bien en vrai. Heureusement que j'ai pas essayé le 55. Hein. Je devrais l'avoir celui-là. Si j'arrive à buter ce bâtard. Ok. Je savais viser, ça aiderait. Je vais vraiment pas avoir de popo là. Putain. Le boss ou pas encore? Toujours pas le boss. Ok. Ok, voilà le boss. Bah, ça le fait. Bon. Et de deux. Salut Bouki, salut Sky. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on va être sur New World tout le week-end pour progresser dans cette saison 2. Ah, c'est des foyers majeurs. Yes. Et une nouvelle carte qui se valide. Et on passe niveau 34 de Battle Pass. Nice. Voilà. Hop. Ok. On est bon. Côté périple, on a dû donc finir un autre foyer majeur. Chapitre 2. Ah oui, ok. Mais alors, j'ai surtout dû valider une quête de faction. Et ça, c'est très très bien, ça. Ok. Et ça, c'est fort fort bien, ça. Entre la saison de New York et celle à venir de la... Ouais. Ah oui, juillet, ça va être... ouais, ouais, juillet, c'est vénère. Là, juillet, j'ai New World, Into la saison de Diablo, Into Atlas Fallen, Into Armor Core 6 First Rubicon, Into la Land Starfield. Et on fera sûrement donc Lies of P, et en octobre, pareil, à nouveau, hein, les saisons Diablo New World. Ouais, ça fait... ça occupe bien. Hein. Merde, c'est pas du tout là où je voulais aller. Excusez-moi. Ah, je peux valider... Ah, mais les trucs de faction, ça... Oh. En fait, il y en a qui sont communes. D'accord.
Donc ça va m'en compter qu'une seule. Ok. Les spécimens que vous m'avez apportés vont beaucoup. Voilà, là, c'est 2200. Et si je vais la valider là-bas, ça m'apporte plus, non ? On va aller voir. Mais ouais, toute l'année en vrai, hein, pour les joueurs de Diablo et de New World, en fait, tous les 3 mois, comme les saisons sont à peu près en même temps, t'as de quoi faire, quoi. Y'a de quoi faire. Alors, est-ce que c'est plus de 2200, ça vaut le coup ? Voyons voir. Ah non, c'est pareil, d'accord. Chuchoter votre nom. Non, ok. Ah, j'ai souvent entendu chuchoter votre nom. Mais clairement, là, jetons. Et Baldur's Gate 3, ça sera en novembre, la LAN Baldur's Gate 3, je l'ai repoussé parce que ça va me prendre un mois. Et je préfère me concentrer sur Starfield. Donc ça sera, sauf sortie majeure, ça sera en novembre avec les copains, le mois Baldur's Gate 3. C'est ce que j'appelle les jeux d'un mois. Et en gros, donc j'ai besoin d'un mois pour les terminer. J'en ai 7. J'en oublie à chaque fois, hein, quand je l'ai dit, on va essayer. Red Dead 2, Breath of the Wild, Witcher 3 avec extension, Cyberpunk avec extension, Baldur's Gate 3 et No Man's Sky. Ouh, j'ai eu les 7. Voilà, c'est les 7 jeux d'un mois que j'ai pour l'instant. Et donc, on va pouvoir faire Baldur's Gate 3 en novembre. Comme logiquement, il n'y aura pas de sortie majeure. Les deux gros, en octobre, c'est une débilité parce qu'on va avoir la saison 3 et l'extension New World début octobre. On va avoir Lords of the Fallen, que je vais évidemment poncer les One. Et on va avoir également, donc la saison 2 de Diablo 4. Bref, pas mal de choses. Et je vais éternuer à nouveau sur les marques. Voilà. Mon Dieu, c'est tellement cringe. Ok. J'ai eu des notifs sur la TwitchCon, ça me donne un peu envie de vomir, c'est terrible. Hein. Ça me. Vraiment, c'est tout ce que je veux pas faire, quoi. C'est vraiment le cringe absolu. Hein. Décembre, ce stream directement du lit. Alors pour le coup, en août, je vais être tranquille. C'est-à-dire qu'en août, je vais faire 150-200 heures grand max. Parce que là, en juillet, on va faire beaucoup d'heures de stream. Parce qu'en septembre, octobre, ça va être une dinguerie. Je veux dire, septembre, Starfield, j'en attends vraiment beaucoup. Octobre, bah voilà, saison 3 de New World, saison 2 de Diablo 4, plus Lords of the Fallen, pareil, ça va être un mois de 150 heures. Donc ouais, en novembre, Baldur's Gate 3, en fait, je vais pas tant streamer. Ça sera, je pense, des bons streams, mais ça sera pas des gros streams. Parce que. Si on jouait, je sais pas, 11 heures par jour à Baldur's Gate 3, ça fait très frais trop. Donc je pense que ce sera des streams de 8 heures max. Hein. Pendant la LAN et même après. Hein. Ok, alors. Ah, j'ai souvent entendu chuchoter votre nom. Ah, Muta 4, tiens. Oh, oui. Oui. Ah, Muta 4, je dis oui. Oh, oui, je suis chaud. Il faudrait les bons anti-nature, pas de problème. S'il m'accepte, mais bon. Mon avis sur le jeu. En fait, la vraie question que tu l'as posé, Arzit, et bonjour à toi. Est-ce que t'es à 16€ près ? Si t'es pas à 16€ près, t'aimes le RPG, achète-le. Et puis voilà. Et si t'es à 16€ près dans la vie, t'as d'autres priorités que ça. Je ne juge pas quelqu'un qui est à 16€ près dans la vie. Et juste que dans ce cas-là, ta priorité, ça va être de savoir. C'est autre chose que savoir si tu peux acheter ou non un jeu. Ah, yes, on m'a pris. Alors attendez. Ok. Accepter.
Ok. Non, attends, il me faut des gemmes. Gemmes anti-nature. Oh, me dis pas que j'en ai pas, putain. En bretelle et T3, ouais, ça fera le taf. Mon avis sur le jeu. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mon avis sur le jeu? C'est un MMORPG buy to play à 16 balles. Test. C'est pas mon avis qui doit influencer quoi que ce soit là-dessus. T'as tout à gagner à le tester. Je pense que j'aurais pas dû lancer le donjon, parce que je sens que ça pas tard à bouffer, mais bon, tant pis. Je pourrais réchauffer. Salut Artak. Mais bon, pour une fois que je peux faire une muta,